enchaînement détox psoas. Voilà la fiche détox psoas pour ceux qui sont sur YouTube, que vous pouvez télécharger sur mes réseaux sociaux ou mon site internet yogapilatesandra.com. Voilà. Youp. Allez, de retour. Du coup, je vous invite à boire un petit peu d'eau et c'est parti. On va s'allonger dans la posture du cadavre Savasana. Pour faire notre enchaînement détox psoas. C'est parti. Allez, youp. Du coup, on s'installe sur le côté, on va venir s'allonger sur le dos, se recentrer, se concentrer. Sur cette enchaîne. Se remercier. De prendre ce temps pour nous. Et c'est parti. Autograndissement sur le dos. On vient mettre les pieds à la place des genoux. On bascule le bassin loin des épaules et de la tête. On bascule la tête loin des épaules et des fesses. On enfile nos omoplates dans les poches. Et sur un périnexpire, on ramène le genou droit vers la poitrine. On vient le soutenir à l'aide de nos mains sur notre genou. Puis on fait glisser le talon gauche au sol, comme si on repoussait une grosse brique au sol. Les orteils sont flex, ramenés vers le genou. Et là, on doit ressentir l'étirement du psoas. Du côté gauche. Inspire, puis fais glisser tes mains dans le creux du genou et monte le talon droit vers le ciel. Ramène les orteils vers toi et sens cet étirement de la chaîne postérieure du côté droit. C'est vraiment tes omoplates qui sont plaquées dans le sol et ta tête qui repousse le sol avec l'arrière du crâne. Qui maintient ta jambe vers toi. Ramène le talon droit vers la fesse, puis ramène le talon gauche vers ta fesse et change de jambe. Ramène le genou gauche vers la poitrine, repose le talon droit au sol. Maintiens le genou gauche avec tes mains. Et fais glisser ton talon droit au sol, comme si tu repoussais une grosse brique au sol. Ramène les pieds flex vers toi. Et ici, maintiens et ressens l'étirement du psoas du côté droit. Fais glisser tes mains sous ton genou et remonte le talon gauche vers le ciel. Ramène les orteils vers toi, maintiens cette jambe vers toi grâce à tes omoplates qui sont enfilées dans tes poches, dans le sol. Et ressens l'étirement exquis de la chaîne postérieure à gauche. Ramène le talon gauche vers la fesse, maintiens le genou vers toi avec tes mains, puis ramène le talon droit vers ta fesse droite. Ramène ton genou droit vers ta poitrine et retrouve-toi dans la posture des quatre vents. Relâchement du bas du dos, petit automassage aussi des lombaires en faisant des petits mouvements de va-et-vient en avant. En arrière, sur les côtés, ou encore des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens, tout ça couplé avec la respiration. Puis choisis un côté sur lequel te laisser tomber pour revenir
en bout de tapis dans la posture de l'enfant afin de venir sur un quatre pattes physiologique. La poitrine en avant des genoux, tend les bras loin devant et tracte ici tes mains sans qu'elles ne bougent vers tes genoux pour ramener le dos parallèle au sol. Les fesses restent toujours en arrière de tes genoux et là tu es en position de table. Sur un périnexpire, on va passer en chat. Tu plantes tes griffes dans le sol, tu écartes les omoplates, tu expires, tu rentres le nombril dans la colonne vertébrale. Puis tu inspires pour aller vers la vache, tu poses les mains au sol. Tu resserres les omoplates, tu regardes en avant de ton tapis, tu relâches le ventre vers le sol et tu repousses les fesses vers le ciel, toujours en arrière des genoux. Inspire dans la vache. Puis reviens dans un dos physiologique, à plat, dans une belle table. Et incline sans bouger les fesses. Tu vas regarder par-dessus ton épaule droite, comme si tu voulais regarder l'angle inférieur de ton tapis à droite. Inspire, reviens, regarde entre les mains, puis périnexpire, change de côté, regarde du côté gauche. Inspire, reviens. Puis tu vas poser tout simplement les coudes au sol. Et là, on va partir dans une torsion. On va soulever la main gauche et la laisser glisser sous le bras droit. Poser peut-être l'épaule au sol, la tête, et relever ici la main droite, si tu peux, vers le ciel. Reviens, poser ton coude droit. Puis cette fois-ci, tu fais glisser ta main gauche vers le ciel. Et tu la ramènes sous ton bras droit, loin. Et tu reviens en position initiale. On va faire la même chose du côté gauche. Du coup, on soulève le bras droit. On fait glisser la main droite sous le bras gauche. On pose peut-être l'épaule, la tête. On soulève ici la main droite, la main gauche du sol, pardon. On vient la mettre vers le ciel. Puis on la repose. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui vient se diriger vers le ciel. On périnexpire, refait la glisser sous le bras gauche. Inspire, reviens en position initiale. Les coudes au sol, les avant-bras au sol, les bras, les mains à plat. Et ici, tu vas retourner les orteils dans le sol pour pousser dessus et monter les fesses vers le ciel dans un joli dauphin. Relâche la tête et les épaules qui ne posent pas par terre. Elles frôlent juste le sol. Et tu repousses les fesses vers le ciel. Avec un dos bien droit, si tu peux, tu repousses les talons vers l'extérieur et vers le sol. Genoux peut-être fléchis ou si tu peux et assez souple, tends les genoux sans arrondir le bas du dos. Périnexpire, amène les genoux à la poitrine pour les poser au sol. Puis viens dans la posture de l'enfant, étirer les deux mains loin vers l'avant. Faire une inclinaison en frôlant le sol avec ta main droite, en formant un arc de cercle avec ta main droite pour l'amener vers le pied droit. Inspire, reviens dans la position initiale. Puis périnexpire, fais glisser ta main gauche vers le pied gauche et regarde-la aller. Inspire, reviens dans la position initiale. Et ici, repose les coudes pour aller vers une reptation. Tu frôles le front sur ton tapis. Tu soulèves les coudes, tu tires la queue du chat entre les jambes pour te retrouver à plat ventre. Yes.
Et là, tu vas tracter les mains loin, les épaules loin, relever du coup peut-être la tête, les pieds dans la posture de la sauterelle. Inspire. Et une expire, repose. Puis ramène un talon vers la fesse, puis l'autre. Et si tu peux, peut-être ici, attrape les chevilles avec les mains et essaye de tendre les genoux, ce qui fait monter tes épaules et ta tête dans l'arc. Inspire. Expire, relâche. Repose le front au sol, les pieds au sol. Viens mettre tes mains de part et d'autre des épaules et de la poitrine et on va monter dans un baby cobra. Sans pousser dans les mains, on inspire, on longe le menton vers l'avant du tapis pour monter le front vers le ciel. Périne, expire, regarde par-dessus ton épaule droite. Inspire, reviens au centre. Périne, expire, regarde par-dessus l'épaule gauche. Inspire, reviens au centre. Puis repose. Pour ceux qui le sentent, on va vers un cobra. On inspire, baby cobra d'abord, sans pousser, puis pousse dans les mains comme si tu voulais ramener les coudes au sol. Ce qui fait monter tes épaules tout en les gardant vers le bas et la tête. Le pubis reste au sol. Périne, expire, regarde par-dessus l'épaule droite. Inspire, reviens. Périne, expire, regarde par-dessus l'épaule gauche. Inspire, reviens. Puis repose. Et pour celles qui le sentent, on va monter cette fois-ci dans un chien tête en haut. Baby cobra d'abord. Cobra ensuite. Puis pousse ici pour tendre et te suspendre. Périne, expire. Regarde par-dessus l'épaule droite. Inspire, reviens au centre. Périne, expire par-dessus l'épaule gauche. Inspire, reviens au centre. Puis pose peut-être les genoux au sol, les orteils. Et si on vient vers un chien tête en bas, monte un pied vers le ciel, chien sur trois pattes, pied droit en l'air. Puis périne, expire, avance le poids du corps, fléchis le genou vers la poitrine et passe-le entre les deux mains. T'as réussi? Yes! Et si tu peux, tu relèves les mains et tu viens dans un croissant de lune. Périne, expire, reviens. Et si tu peux, tu pousses, tu relèves le genou gauche. Tu pousses le talon gauche dans le sol. Tu soulèves, flèche, puis guerrier. 1. Sans l'étirement du psoas à gauche, ramène tes mains de part et d'autre du pied avant et ramène ton pied avant au pied arrière dans un chien tête en bas. Puis on fait le même enchaînement. Cette fois-ci, tu montes du coup le pied gauche vers le ciel en chien sur trois pattes. Périne, expire, ramène le genou à la poitrine, passe le pied entre les deux mains, pose le genou arrière. Inspire et monte les mains vers le ciel dans un croissant de lune. Reviens ici de part et d'autre avec les mains du pied. Repousse le talon droit vers l'arrière pour soulever le genou. Venir en flèche. Et ensuite en guerrier 1. Inspire, reviens ici et ramène le pied avant au pied arrière dans un chien tête en bas. Ramène les genoux à la poitrine puis au sol et repose-toi sur le côté dans un premier temps. Pour te remettre sur le dos. Allonge-toi. On va partir sur le pont. On vient dans un bel auto-grandissement. Amener les pieds à la place des genoux.
Bassin, cervical, épaules dans la bonne posture. Rapproche peut-être les talons des fesses. Et si sans écarter les genoux, les pieds toujours dans l'axe, monte le pubis vers le ciel. Crochette les mains ensemble. Recule les épaules pour bien harmoniser ton marche. Puis peut-être ici, viens mettre tes mains de part et d'autre des oreilles pour repousser sur le sommet du crâne et monter pubis vers le ciel et vers l'avant dans un pont complet. On regarde vers le ciel, fléchis les coudes pour poser l'arrière du crâne, les épaules, puis les vertèbres les unes après les autres. Amène les bras le long du corps, déporte ton bassin d'un demi-bassin vers la gauche. Viens mettre ton pied gauche sur le genou droit, tes bras en croix au sol et laisse partir tes genoux vers la droite et ton regard vers la gauche sans que ton épaule gauche ne se soulève. Savoure la torsion. Ramène au zénith. Puis décale ton bassin d'un bassin entier vers la droite. Amène ton pied droit sur ton genou gauche et laisse partir tes genoux à gauche et ton regard à droite. Puis reviens dans le bassin, dans l'axe, étends un pied loin de ta fesse, puis l'autre pied loin de cette même fesse. Et relâche les pieds vers l'extérieur, les mains vers l'extérieur, paume de main vers le ciel et savoure tout ce travail sur ton corps. Ton esprit, ta concentration. Et de la gratitude pour ce moment que tu t'es offert, qui est important. Je t'invite peut-être à te couvrir ou à te mettre dans une position confortable pour une petite relaxation de fin de séance et un retour au calme. Nous allons ce soir travailler sur le balayage du corps. Je vais peut-être me mettre, hop, comme ça. Généralement, lorsque nous nous perdons dans nos pensées, lorsque notre esprit est en mouvement constant entre le passé et le futur, nous avons l'impression de vivre dans un monde virtuel. Nous ne pouvons vraiment ressentir ce qu'il se passe dans l'instant où nous ne pouvons pas reconnaître les vraies sensations dans notre corps. Il n'est pas possible d'être présent avec l'existence de notre corps tout en étant anxieux au sujet de l'entretien de demain ou en se critiquant de ce que l'on a pu dire hier ou avant-hier. Lorsque nous nous perdons parmi les émotions de nos esprits dispersés, nous ne pouvons pas vraiment apprécier la vie telle qu'elle est. Dans cette position confortable et avec cet exercice du balayage du corps, nous allons pousser notre pratique
encore un peu plus loin. Installe-toi lentement dans ta position confortable et laisse le poids de ton corps fondre vers le sol. Comment vas-tu? Observe simplement ceci. À cet instant précis, comment te sens-tu? Observe sans aucune interférence ou jugement. Maintenant, inspire bien profondément et expire. À la fin de chaque expiration, laisse tous tes fardeaux quitter ton corps. Inspire encore une fois, puis expire et laisse fondre tout ton poids vers le sol. Pendant que la respiration s'écoule naturellement, prends conscience de ton corps dans son ensemble. C'est un espace ouvert, tout comme l'espace dans lequel tu es en ce moment. Attire lentement ton attention sur la couronne de ta tête. Et remarque les sensations dans cette région. Quelle sorte de sensations y a-t-il? Peut-être de la pression, de la chaleur, de la fraîcheur, de la détente, de la relaxation, de l'expansion. Remarque doucement l'arrière de ta tête. Sens les contours de ta tête, au-dessus de tes oreilles et le long de ton front. Tes yeux, tes tempes, l'arrière de tes yeux. Et le contour de tes yeux. Quel genre de sensation ressens-tu en chacun de ces points? Éloigne-toi lentement de tes yeux et descends jusqu'aux joues. Remarque la bouche, les lèvres et la langue, de ta mâchoire inférieure jusqu'à la racine de tes dents. Quelles sont les zones les plus faciles à détecter? Et quelles sont celles qui sont engourdies? Alors que ton attention reste la même, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Remarque ta gorge et ton cou. Remarque les sensations qui s'étendent des côtés du cou vers les épaules. Sans porter de jugement, ni faire d'effort pour les modifier.
et ressens l'intérieur de tes bras, tes poignets et les paumes de tes mains. Y a-t-il une sensation de chaleur dans la paume de tes mains? Ou n'importe quel mouvement? Une sensation de fluidité? Peut-être y a-t-il une sensation de vibration ou de battement du cœur autour de tes mains? Maintenant, attire ton attention sur l'abdomen et sur l'estomac. Sens la vaste zone douce et en expansion à l'intérieur de ton bas-ventre. Quel genre de sensations sont présentes ici? Sens le plancher pelvien et toute la zone qui se trouve au niveau de ton bassin, la région génitale et les os de tes fesses. Sens la partie de la hanche qui est connectée au sol, comme un tout. Déplace lentement ton attention vers tes jambes. Commence doucement à balayer le haut de tes jambes, les lignes extérieures et intérieures de tes jambes, l'avant et l'arrière de tes genoux et les tibias du haut vers le bas. Jusqu'à ce que tu arrives aux pieds. Ressens tes chevilles, le dessus de tes pieds et la plante de tes pieds. Et maintenant, ressens le corps dans son ensemble, de la couronne de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Sens la vitalité, les sensations d'agitation, l'énergie ou le mouvement, la chaleur et tous les petits mouvements subtils du corps. Progressivement, nous nous dirigeons vers la fin de cette pratique. Je t'invite donc à reprendre conscience, tout doucement, des bruits qui t'entourent, du poids de tes vêtements sur ton corps, et à redécouvrir toutes les couleurs autour de toi, en ouvrant délicatement les yeux. Comment se sent ton corps dans cet ensemble, de la couronne de ta tête jusqu'à la pointe de tes pieds? Observe tout simplement. Comment se sent-on lorsqu'on bouge son corps? Qu'est-ce que ça fait de se regarder soi-même? Quel effet cela fait de se regarder à travers ses propres yeux? Namasté les yogis! Merci d'avoir suivi ce cours.
J'espère que ça a fonctionné, que la technique n'a pas trop battu de l'aile. Normalement, je devrais améliorer un petit peu la connexion, en tout cas pour YouTube, prochain cours. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ces vidéos. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez soutenir mon travail sur la plateforme Tipeee. Voilà, si vous en avez envie. Merci en tout cas à tous. Abonnez-vous aussi pour être prévenu des prochaines vidéos ou des prochains lives sur ma chaîne. J'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à m'envoyer un petit peu aussi ce dont vous voulez travailler. Prochain rendez-vous lundi, même jour, même heure, lundi soir, 18h, au même endroit apparemment. Voilà, prenez vos agendas, notez tout ça et on verra du coup lundi prochain un nouvel enchaînement, roulement de tambour. On va travailler sur un enchaînement spécial Noël! Yes! Et oui, il va falloir préparer les fêtes, hein, et puis on va essayer d'avoir une petite ambiance un petit peu sympatoche, hein, parce que bon, c'est pas la fête en ce moment. Donc ça va nous faire un peu de baume au cœur. Voilà, voilà. Et bah écoutez, merci, merci, merci mille fois de votre soutien. Et on se dit. Ciao, ciao, à très bientôt pour de nouveaux tutos et des nouveaux lives avec du sport sans bobo. Bye bye!